Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, comme tu le sais, via mes shorts, j'ai reçu la nouvelle ERZ300. Ah bah oui, je te l'avais dit qu'elle arriverait tout à l'heure. Donc, on a eu un petit peu de retard parce que j'avais pas de place dans le garage pour la monter. Maintenant, elle est là, on va le faire ensemble. Donc, je te conseille de bien suivre toute la vidéo, comme ça tu pourras la monter toi-même sans avoir besoin de personne. C'est le but, il n'y a rien de très compliqué, il faut juste faire les choses correctement dans l'ordre. Donc là, je vais te montrer la palette, comment ça arrive, et ensuite, on y va. Et n'oublie pas que tu la retrouves sur Mini MX, elle est en stock, et que tu peux bénéficier de mon code promo FAST100 ou FAST54000, un des deux, pas les deux. Ça te fait quand même économiser une centaine d'euros, ce qui n'est pas rien, hein. Franchement, c'est pas rien. Donc allez, c'est parti, on y va. Franchement, j'ai hâte de la monter et de vous la montrer. Allez, c'est parti. Voilà la bête. Donc là, pour l'instant, c'est livré comme ça, hein. C'est livré sur palette, enfermé dans une cage. Désolé. Donc ce qui est au-dessus, tu fais pas attention, c'est des trucs que j'ai pris en plus. Donc on va ouvrir la palette et je vais te montrer tout ça. C'est parti. Donc, voilà la bête. Là, on a un nouvel film plastique. Tu vois comment ça se présente. Donc, quand vous recevez la moto, n'hésitez pas à mettre une réserve si vous voyez que c'est abîmé. S'il y a une réserve, vous pouvez vous protéger via Mini MX si vous ne le faites pas. Parce que eux, ils envoient sur palette, c'est bien conditionné. Après, si ça arrive à se quinter, ça peut être le transporteur. Donc, n'hésitez pas à mettre des réserves. Ça peut servir. Donc voilà, là elle est comme ceci, donc elle est enfermée dans une cage en ferraille, hein. Il n'y a rien de très compliqué. Donc là je vais virer tous les liens, on va virer la palette pour se faire de la place et c'est bon. Ne tiens pas compte de ces deux cartons que tu vois à côté, ça n'a rien à voir avec la moto, c'est des tonnelles que j'ai pris à côté. Tout simplement, donc allez, on y va, c'est parti. Donc voilà la bête dans sa cage. Donc voilà comment c'est fait une fois que tu as enlevé la protection. Donc ne panique pas, en voyant ça, il n'y a rien de traumatisant. Donc là, tu as ta roue avant, là, tu as les bas de fourche qui sont bien protégés, mine de rien, avec de la mousse. Là, tu as un petit bidon de liquide de refroidissement qui donne en plus, parce que normalement, elle est déjà pleine, ça c'est pas mal si tu n'en as pas. Tu as la moto, hein. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est on va déjà enlever la roue avant, on va enlever les bas de fourche, on va tout poser propre, ensuite on va démonter la coche pour sortir la moto. Voilà, donc c'est plutôt bien emballé, franchement, il n'y a rien à dire. Là, on a les cartons de pièces, parce que comme tu vois, il n'y a pas la fourche de montée, il n'y a rien. Donc allez, c'est parti, je déballe tout ça et je te reprends une fois que c'est la moto est sortie de la cage. Donc voilà, donc là j'ai enlevé toute la cage, il reste plus que le socle. Tout simplement parce que la moto est encore fixée, il y a des barres en ferraille qui passent en dessous. Donc là j'ai enlevé toutes les protections, enlevé les cartons parce que ça c'est les pièces à monter. Et ensuite je vais la sortir dans la cage, je vais la mettre sur mon lève-moto. Donc je fais ça et je vous reprends. Faites bien attention quand vous la sortez de la cage, de rien abîmer. Parce qu'elle a encore fixé la moto. Donc allez, c'est parti. Et faites-vous aider parce que mine de rien, elle est lourde. Donc voilà les gars. Donc là, elle est sortie. Et elle est posée sous le lève-moto. Donc faites pas gaffe, la biellette n'est pas montée. Il n'y a rien qui est monté. Donc voilà comment elle se présente. Hein, je vais te mettre en grand angle. Je m'excuse. Hein. On voit pas trop, mais parce que bah, je sais pas quoi. Donc là, tu vois, tu as le guidon qui est fixé. Tu as tout qui est fixé. Franchement, moi, elle est arrivée bien protégée. Elle n'a pas l'air abîmée. Franchement, c'est top. Je vois déjà des différences avec celle que j'avais, la BTCT18, hein, qui est la même moto, mais je vois déjà quelques différences chez Mini MX, je vous en parlerai après. Donc là, la première chose à faire, c'est de virer tous les colsons, voir tout ce qui est en pièces. Ensuite, on va monter la fourche complète, on va bien graisser, etc. Je vais vous montrer. Ensuite, on va monter la biellette à l'arrière, comme qu'elle soit à sa hauteur normale, et on montrera tous les accessoires après en retour. Donc là, pour l'instant, on va virer tous les petits... les petits riselants, etc. Hein, voir, ça, c'est notre système de frein. Ça, c'est la poignée. Le guidon, il est là. Enfin, tu vois, il n'y a rien de très compliqué. Et on va faire le tour de tout ça. Donc là, j'enlève tout et je vous reprends. Voilà, les gars. Donc là, on a enlevé toutes les protections qui tenaient le guidon, etc. La selle, tout ça, pour l'instant, on s'en fout. Hein, c'est pas le problème. Donc là, il nous restera à fixer la biellette. Parce que comme tu vois, elle n'est pas fixée, elle est encore tenue. Il nous reste à monter la fourche, etc. Donc là, on va aller déjà monter tout ce qui colonne. Bas de fourche, etc. Je te montre ensemble. Déjà, tu vois bien que ça n'a rien à voir avec une ERZ classique. Pour ceux qui disent c'est une ERZ classique, non. Le cadre est pas du tout pareil. Tu vois bien qu'il est beaucoup plus costaud. Là, on a vraiment des soudures nickel. Franchement, il n'y a rien à dire. Le cadre est beaucoup plus costaud. On a une grosse colonne de fourche. Tu vois bien, ça n'a rien à voir avec les motos classiques, on va dire. On a le beau petit moteur 280, parce qu'ils disent 300, mais en réalité, c'est un 280. 4 soupapes liquide. Avec une mine qui est déjà vraiment grosse, tu vois bien. On a le petit PWK 34 d'origine. On a l'amortisseur arrière qui est sur bonbonne, réglable en compression et détente. Hein, je te raconte pas de conneries, hein, tu vois bien. Enfin, je sais plus c'est où, mais je te le montrerai après. Parce que là, on peut pas, de toute façon.
On a les réglables en compression détente. La fourche avant, c'est pareil. Elle est réglable en compression détente. Je vais te la montrer. Ce qu'on voit déjà, hein, ceux qui disent que c'est une RZ, non. Regardez-moi la taille de l'axe. Hein, je peux passer mon doigt dedans. Tu vois bien. Donc là, on est sur des gros axes de roue type CRF. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ma CRF, les axes de roue, elle est dessus. Donc c'est pour ça que je ne vous montre pas. On a vraiment une finition au top. Hein, des gros axes de roue bien costauds comme les crosses. On a un étrier arrière, double piston contre un simple sur les autres. On a une grosse couronne. Ça, c'est pour le couple. On a des très très gros rayons. Tu vois bien, les rayons sont balèzes. Franchement, il n'y a rien à dire. Rien à voir avec une jante classique. On a des gripsters avant-arrière. On a un gros disque de frein à l'arrière. Franchement, on a un brossillon qui est vraiment pas mal. La qualité, elle est bien. Ce qui change déjà à la cartouche, celle-ci, elle est livrée sans chicane. Donc, à mon avis, ça doit faire un sacré boucan. Voilà, hein. Tu vois les doubles radias. Hein. Donc, on a deux radiateurs. Un de ce côté-là, un de ce côté-là pour le refroidissement. On a la protection sous moteur, donc ça c'est bien pour les cailloux et tout ce qui va avec. On a de la belle petite durite, alors comparé à la BTC, la différence déjà les durites, parce que la BTC c'était des durites classiques et là c'est des durites silicone. Donc il faudra bien vérifier les colliers que rien ne se barre. Et puis bah écoute, pour l'instant ça va être tout. Ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer par monter tout le système de fourche. Allez c'est parti, je te montre. Donc on va ouvrir le premier carton, il est là. Donc dans le premier carton qu'est-ce qu'on a? On a un tube de graisse, donc c'est en sachet, donc ça c'est cool. Si tu n'en as pas chez toi, tu sais qu'ils te la fournissent. Ça c'est pour tout ce qui est biellette, fourche avant, etc. Roulement. Après on a un petit tuyau de mise à l'air du réservoir, c'est cool, ils le fournissent. Ensuite on a la petite mousse de guidon avec le petit ERZ300. Et surtout on a une notice. Et il y a du français dedans. Et là, c'est bien marqué 250 SM et 300 ERZ. Donc après, j'irai voir. Pour l'instant, j'y vais pas. J'irai voir après et je vous expliquerai tout ce qu'il y a à savoir là-dedans. Donc maintenant, on va ouvrir le deuxième carton. Donc dans le deuxième carton, qu'est-ce qu'on a? Le T de fourche. Et là, je te prie de croire que c'est un gros bébé. Tu vois bien que ça n'a rien à voir avec une ERZ classique. Je peux m'approcher, on voit bien. Tu vois, c'est beaucoup plus gros. Les trous, c'est vraiment très très gros. Ça n'a rien à voir avec une fourche de ERZ classique. Pour ceux qui disent que si, non. Et toi, il y a même déjà de la graisse dessus. Donc, c'est présenté comme ça. Donc, l'écrou du dessus, tu vois, c'est pareil. C'est bien balèze aussi. Ensuite, on a l'axe de roue. Hein, tu vois bien, pareil, hein, des belles petites cales en alu. C'est en alu. Hein. C'est pas de la cale de merde, comme dans les classiques. On voit bien. L'axe, tu vois bien le diamètre. Hein, c'est gros. Hein, tu es à côté de mon pouce, ça te donne une idée. Donc, franchement, là, on est sur du lourd. Ensuite, on avait la plaque avant, tout ce qui est plus classique. Je reviendrai sur le kit déco, les carénages, c'est du KTM pour ceux qui se posent la question. On reviendra dessus après. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais te présenter la fourche et après, on va monter déjà tout le devant. Allez, c'est parti. Donc, nous voilà. Donc là, on a la fourche, tube de fourche. Donc, tu ne peux pas te tromper. Il y a même les petits numéros, tu vois. LR, L, gauche, R, droite. Donc la fourche, pareil, hein, tu vois, c'est un gros bébé. Ça n'a rien à voir avec les ERZ, hein. Là, c'est beaucoup plus gros, là. C'est vraiment costaud. Donc fourche, KKR ils appellent ça. Donc ça doit être une nouvelle marque de suspension comme la BTC. Donc comme d'habitude, on n'est pas sur de la fourche à 1200 euros la fourche, faut pas rêver. Par contre, ce qui est pas mal, c'est qu'elle est réglable en compression. Tu vois bien. Et si je te raconte pas de conneries, en détente aussi. Donc on est quand même sur une bonne fourche, hein. Toi, c'est bien marqué, tu peux la régler en haut et en bas. Donc on a des belles petites protections qui englobent toute la fourche, tu vois bien. Ça englobe tout, c'est pas mal, franchement c'est vraiment pas mal, c'est vite qu'il casse pour rien déjà. Donc après vous avez la fourche, les premières choses à faire avant de la monter, c'est de l'appuyer plusieurs fois, tu vois, pour purger, pour que l'huile circule bien. Donc tu vois, là ça va bien. Donc moi je la trouve un peu molle personnellement, après je ne l'ai pas réglée. Moi je la trouve un peu molle personnellement parce qu'elle n'est pas encore réglée. Sachez qu'on peut changer l'huile, vous dévissez ici, moi c'est ce que je ferai, je dévisserai ici, je changerai l'huile après les premiers essais, et je mettrai un grade un peu plus dur, généralement ils mettent de la 5 là-dedans, moi je mettrai de la 10 ou de la 15 et ça sera parfait, mais vous n'êtes pas obligé, là franchement, une fois qu'elle est bien réglée, vous dites qu'après ça ira beaucoup mieux, toi, là elle est déjà pas mal, les gars, donc première chose, on va monter le T de fourche inférieur, donc celui-là du bas, donc tu mets bien de la graisse tout autour du roulement, j'en ai même mis sur la colonne, et tu n'hésites pas à mettre dans le... dans la colonne du châssis. Je te montre. Donc tu vas mettre ton roulement de colonne supérieure. N'hésite pas à mettre de la graisse. Hein. Moi je mets ma graisse à moi parce que j'ai pas envie d'ouvrir leur graisse à eux.
Mais t'hésites pas, hein, même si ça déborde, vaut mieux en avoir plus que pas assez, c'est pas très grave. Après t'es sur elle sur plus, c'est pas très grave. Ensuite tu prends cette pièce là, donc t'as le cache en ferraille et la petite pièce noire. Tu viens la mettre au-dessus. Ça va comme ça, c'est pour protéger ton roulement, tu vois. Après tu prends un chiffon, tu t'essuies les mains parce que sinon t'en as partout. Ensuite, tu prends ton écrou ici. Alors là-dessus, pas de frein filet. Je vois déjà les gens dire ouais, pourquoi ils mettent pas les freins filets? Bah parce que tu mets pas de frein filet sur un tête four. Enfin, moi perso, j'en mets pas. Après toi, tu fais ce que tu veux. Moi, c'est non. Donc tu le visse, pas à fond, parce que c'est ce qui détermine ton ta douceur de four, en fait. Tu vois, plus tu vas le visser, bah plus ça va être dur à tourner. Donc là, tu as fait ça. Une fois que tu as fait ça, tu peux mettre ton thé supérieur. Voilà les gars. Donc, une fois que vous avez votre thé en bas, vous serrez un peu votre écrou en bas pour que ça soit libre. Après, vous pourrez toujours y aller avec un petit tournevis plat tranquillement. Donc là, après, vous mettez votre thé supérieur. Vous faites bien passer le guidon avant. Ouais, faut que les câbles passent ici. Après, tu le laisses pendre en bas. C'est pas très grave. Faut bien faire passer tes fils avant. Ensuite, tu vas remettre cette rondelle ici. Et le petit écrou. Ça, je te conseille de mettre une goutte de frein filet. Et après tu le serres. Donc tu vois, petite goutte de frein filet, faible. Et ensuite tu viens mettre ton écrou. Ça évite qu'avec les vibrations, ça se borde. Bien sûr, ça n'empêche pas de le contrôler. Hein. C'est pas parce que tu fais ça qu'il faut pas le contrôler. Tu le serres pas à fond tout de suite parce qu'il faut faire passer tes bas de fourche, tu vois. Tu le serres pas tout de suite parce qu'il faut faire passer tes bas de fourche. Si tu le serres tout de suite et que t'es pas centré, bah tes bas de fourche ils passeront pas. Donc maintenant on va monter les bas de fourche, c'est parti. Donc toutes les vis là. Tu mets du frein filet faible dessus, tous. Toutes les vis de fourche là. Tu mets une petite goutte et tu les remontes. Pareil, ça évite pour les vibrations. Donc tu fais ça sur toutes tes vis. Moi il est un peu vide, mais bon, c'est pas grave, il y en a assez. Hop. T'en mets sur toutes tes vis. Tu fais ça sur les deux du haut, les deux du bas, de chaque côté. Et après tu les serres. Voilà les gars, donc là tout est nickel. Donc la fourche, je vous la monter jusqu'au petit trait que tu vois là. Tu vois, faut qu'elle soit à ras comme ça des deux côtés. Voilà, de préférence, vous réglez bien vos bouchons vers le haut pour la régler pareil, que ça fasse propre. Donc là, vous avez mis du frein filet partout. Je vois déjà la question arriver. On sert à combien d'NM de coupe les vis? Je vais regarder dans la notice et je vous dis. Sinon, vous pouvez les serrer comme ça. Une fois que c'est serré, vous arrêtez, ça va pas péter. Hein. Je vais regarder tout ça et je vous dis. Voilà les gars, donc pour le couplet de serrage, j'ai regardé dans toute la notice, c'est écrit nulle part. Par contre la notice, on va en parler après, mais franchement elle est totalement complète et en français il t'explique comment régler les amortisseurs avant, arrière, la précharge, la détente, comment tendre tes rayons, ta chaîne. Franchement le mec, hein, t'as 18 pages à lire, mais dans les 18 pages, les premières là, tout est en français et tout est expliqué. Alors franchement, prenez le temps de la lire pour ceux qui ne savent pas, parce que franchement, ils ont fait une notice détaillée. Comment régler ton carburateur s'il faut, comment monter toutes tes pièces, l'entretien, tous les 20 heures, 40 heures, 60 heures, 100 heures. Enfin bref, moi je ne le lis pas parce que je sais comment l'entretenir la moto, mais franchement, n'hésitez pas à la lire, tout est dedans. Voilà. Donc pour le vis, hein, clé dynamométrique, 1,4 kg, 1,5 kg pour toutes les vis de fourche. Pour moi, j'ai toujours fait comme ça, j'ai jamais perdu une roue, ni une fourche, ni quoi que ce soit. Donc allez. On continue maintenant, on va monter. Donc toutes les vis de fourche, serrées 1,4 kg, 1,5 kg. C'est ma manière de faire. Certains vont faire comme ça, d'autres autrement. Moi, j'ai jamais eu de problème. Ensuite, les vis du guidon. Donc là, j'ai mis du frein filet faible sur les 4 vis, toujours. Et je serre pareil, 1,4 kg, 1,5 kg. Je ne te mens pas, la clé est réglée, tu serres. Une fois que ça claque, t'arrêtes. Ça suffit, le guidon ne va pas s'envoler. Donc là, tu fais bien attention de bien passer tous tes fils dedans. Hein, faut bien que ça passe dedans. Ensuite... Il va falloir aller brancher un petit peu tout ce qui est électrique, parce qu'il y a des fils qui ne sont pas branchés. Il va falloir mettre le garde-bois avant de mettre la roue, c'est mieux. Donc là, on avance comme ça, j'ai encore pas touché à l'arrière. Donc là, je vais brancher les fils déjà, et ensuite, je vais monter garde-bois et roue. Je te reprends après. Voilà. Donc nous revoilà les gars. Donc pour monter le garde-bois avant, il faut le mettre tout de suite avant de mettre la roue. Vous enlevez les deux vis là, de 8, et les deux vis là, de 8. Ensuite, vous emboîtez le garde-bois, il vient se visser ici et ici. Et ça pareil, une goutte de frein filet faible, au moins ça bouge plus. Voilà. Donc là on a monté le garde-bois avant, le guidon, etc. Donc maintenant on va monter la roue avant. Donc la roue avant elle est où? Elle est là. Désolé. Donc ça on l'enlèvera après. Donc il faut vérifier tous les rayons. Pareil, dans la notice c'est expliqué. Moi je les touche comme ça. Vous les touchez tous comme ça. Et si vous voyez qu'il y a un peu de jeu, comme là, vous les resserrez. C'est normal qu'il faut les recontrôler. C'est monté à l'usine. Ça ne veut pas dire que tout est ok. Donc c'est parti, on y va.
Donc pour ça, vous munissez d'une clé comme ça, Dispo Mini MX, AliExpress, partout, avec tous les embouts, et vous venez contrôler vos rayons. Voilà les amis, donc j'ai déjà fait toute la jante, je vais vous montrer. Donc en fait, vous mettez votre clé, il me reste 3 rayons à faire. Vous faites ça, si vous voyez que ça tourne facilement, hop, voilà, une fois que c'est serré, vous arrêtez. Là, vous voyez, ça tourne, hop, vous arrêtez. Là, vous voyez bien qu'il n'est pas serré, vous le serrez tranquillement, sans y aller comme un brut. Une fois que ça s'arrête, on arrête. Voilà. Alors, il y en a, ils vont me dire que c'est pas la bonne technique. Là, on fait juste le resserrage des rayons. Hein. On s'amuse pas à les faire je sais pas quoi. Hein. Voilà. Donc, moi, j'ai déjà fait toute la jante. On était bon. Voilà. Le gripster, on va vérifier qu'il soit bien serré. Après, on enlève le petit résident là. On va mettre de la graisse. On va aller la monter. La pression de pneu. Moi, à l'avant, je mets 1,2 kg, 1,3 kg. Et à l'arrière, je mets 1,5 kg, 1,6 kg. Ça dépend. Des fois moins, des fois plus. Ça dépend de l'environnement, du terrain, de ce que tu fais. Sachant qu'on est sur des pneus Yunchung ou je sais pas, enfin des pneus chinois quoi. Donc comme tout le monde le sait, c'est des pneus de merde. Mais ça, c'est toutes les motos. Hein. Moi, je vous conseille de changer les pneus pour des pneus de cross, hein, des Razorback ou des Michelin ou des Pirelli, enfin, ce que vous voulez, mais des vrais pneus. Moi, ce sera direct le premier achat que je vais faire, c'est une paire de pneus. Parce que je sais que ça, sur le mouillé, c'est une catastrophe. Je me suis pété un genou une fois, j'ai compris. Donc voilà, on va aller monter la roue avant. Et tu vois, c'est super bien fait parce que toi, tu as des petits joints spi qui protègent le roulement. Et tout ce qui va bien. Bon, voilà, c'est parti. Ton roue avant, il est là. Tu mets de la graisse dessus, tu mets de la graisse dans les roulements de la roue. T'hésites pas à en mettre, c'est pas grave. Ensuite, donc, voilà, les gars. Donc la roue avant est montée. Vous pouvez pas vous tromper. Les deux cales, c'est les mêmes. Alors commencez pas à me dire qu'il y a une cale qui est plus grande que l'autre. Les deux cales, c'est les mêmes. Vous les graissez bien, vous les emboîtez. Vous vissez l'axe. Ensuite, vous vissez les deux vis du côté là. Les deux vis du côté là avec un peu de frein filet faible. Et puis ça ne bouge plus. Voilà. Donc maintenant, il nous reste à monter le frein avant de l'autre côté. Et ensuite, on va s'attaquer à l'arrière, tout simplement. La plaque phare, je vais mettre en dernier pour être sûr que les fils soient bien branchés. Donc, allez, c'est parti. Donc, voilà, les gars. Donc là, il ne faut pas oublier de monter la biellette. Donc, premièrement, il faut visser, il faut mettre cet axe-là. Cet axe-là va bien dans le sens plat. Vous voyez bien, là, c'est une vis spéciale avec deux plats. Et le plat vient bien du côté kick pour que ça repose sur le plat de la biellette. Vous emboîtez ici, vous mettez le boulon derrière, frein filet. Ensuite, vous prenez cette patte là, tu vois, cette patte là elle bouge et vous venez la visser là dedans, pareil, frein filet. Et ensuite votre amortisseur est monté et vous vérifiez bien tous les écrous et vous serrez tout frein filet. Donc voilà, les gars. Allez, donc la biellette est montée, tu vois comment c'est fait, frein filet partout, vous contrôlez tous les serrages. Une fois que ça c'est fait, vous êtes bon. Ensuite, vous enlevez la selle, vous venez brancher la batterie, le moins ici, le plus ici, vous mettez bien les caches, tout va bien. Devant, vous avez une seule cosse à brancher. C'est celle à trois fils. L'autre qui est là, vous la laissez débrancher, ça ne change rien. C'est une option si vous voulez. Ensuite, vous faites passer le cop de frein avant. Donc vous faites bien attention que le cop passe comme ceci. Moi, il n'est pas dans la fourche, tu vois. Après, ça va comme ça, donc vous réglez le câble. Hein, parce que là, si le machin il se prend dans une branche, tu imagines bien que tout va s'arracher. Donc après, on va remettre la plaque à l'avant, là. Et ensuite, on pourra procéder au premier démarrage. On vérifiera le liquide avant et on pourra procéder au premier démarrage de la moto. Et après, on montrera les carénages. Donc, allez, c'est parti. J'ai encore pas fini. Il reste encore la roue arrière à contrôler. Donc, voilà, allez, les gars. Parti. Donc, moi, le cap de frein, je le fais passer comme ça. Et ici, il y en a, ils vont me dire, oui, c'est derrière. Moi, j'aime bien quand il passe devant. Ensuite, le cap de frein, il passe comme ça. Il vient s'emboîter là-dedans. Et après, il passe le tour comme ça. Alors, me demande pas pourquoi ça fait une boucle là. J'en sais rien. Moi, j'ai mis un petit serflex ici parce que je trouvais que le cop, il se baladait. Alors c'est pas définitif, je pense que je vais redémonter les trios et le faire passer par derrière, mais dans tous les cas il faut que le cob il passe devant. Donc voilà. L'essentiel c'est que le cob soit libre, tu vois, moi il est libre, il peut bouger, donc c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je sais plus. On va contrôler le niveau. On va contrôler le niveau de liquide d'enfroidissement. On va mettre les carénages avant et après on mettra la selle, comme ça ça sera fait. Donc là, les vis elles sont ici, ici, ici. Et en dessous ici. Donc là, c'est parti, on remonte ça. Mais on va d'abord contrôler le liquide. Donc, je vous explique quelque chose d'important. Quand vous allez la démarrer, avant de faire la vidange, vous contrôlez bien votre niveau de liquide de refroidissement. Pourquoi? Parce qu'il vous donne un bidon. Il faut savoir que la moto est quasiment vide. C'est à vous de le remplir. Vous le remplissez à ras. Une fois qu'il est rempli, vous mettez en route la moto, le niveau va descendre. Vous laissez le bouchon ouvert et vous la faites tourner 3-4 minutes pour être sûr que ça enlève toute l'air. Ensuite, vous complétez le niveau. Une fois qu'elle est au max, elle est au max. Vous le vérifiez deux fois. Hein. Vaut mieux en avoir être sûr. Parce que s'il n'y a pas assez de liquide et qu'il y a une bulle d'air, vous cassez le moteur. Je vous montre. Donc, les gars, une fois que vous avez rempli votre niveau, hein, je vous montre. Donc là, on est bon. Tu vois. Désolé pour le stabilisateur. Il commence à avoir plus de batterie. Donc, il fait la gueule.
Tu vois, là, on est au niveau. Tu la démarres. Tu la démarres et tu la laisses tourner 3-4 minutes pour être sûr d'évacuer l'air bouchon ouvert. Ensuite, tu revérifies le niveau. Tu le fais deux fois pour être sûr qu'elle ne manque pas de liquide. Donc là, on va la démarrer ensemble. Hein. Donc là, vous branchez la batterie. Vous branchez juste la cosse du Neyman qui est devant, les trois fils. L'autre qui n'est pas branché, c'est une option. Vous la laissez. Vous mettez le contact. Donc là, c'est position contact fort. Et là, c'est contact tout court. Mais il n'y a pas de fort. Hein. Comme je dis, c'est des options. Puis après, vous appuyez simplement là. Pas besoin d'embrayer. Voilà. Vous avez vu? Ça démarre tout seul. Il n'y a rien à faire. Donc là, vous laissez tourner. Sûr que ça brasse. L'huile de stockage, vous laissez tourner 3-4 minutes à point de la vidange. Donc vous avez vu, ça démarre très bien. Donc vous faites ça et ensuite vous contrôlez le niveau. Autre point. Une option qu'on peut ajouter que je vous conseille de mettre en été. Ici, vous avez une patte de fixation là et une patte de fixation là. Vous pouvez rajouter un radiateur qui est vendu sur Rallye, c'est des ventilateurs. Ça coûte 15-20 balles, il se fixe ici, vous le branchez à la batterie. Quand vous mettez le contact, du coup, ça fait refroidir le... Enfin, ça aspire l'air chaud, du coup, ça refroidit mieux votre moteur. Je vous le conseille, pas de le mettre maintenant, mais en plein été, ça peut être utile, ça évite les surchauffes. Donc là, mon niveau, il est bon. Maintenant, on va monter les carénages du côté. Et ensuite, on pourra enlever toutes les décos, enfin toutes les caches déco, et elle sera finie. Après, il me restera contrôler la roue arrière, la tension de chaîne et régler les amortisseurs pour moi. Donc, ça sera une autre vidéo. On va déjà continuer, on va déjà la terminer et je vous la ferai montrer. Donc, voilà, les gars, moto terminée. Donc, j'ai graissé l'axe de roue arrière, j'ai vérifié la tension des rayons, tout est ok. Il me restera à faire la première vidange. Dans la prochaine vidéo, je vous fais vidange et. Comment régler sa fourche avant et son amortisseur arrière. Après, ce sera à vous de l'étalonner pour vous. Mais je vous montrerai première vidange moteur et comment faire ses amortisseurs avant-arrière. Tension de chaîne également. Là, elle est simplement montée, nickel, elle démarre. Je vais te la montrer. Ensuite, je te mets dehors, je te fais quelques plans. Il pleut, donc je ne peux pas m'éterniser. Quelques photos et je te balancerai ça. Du coup, bah vendredi. Hein. De toute façon, quand tu verras les vidéos, ce sera vendredi normalement. Donc là... Je te montre la moto, je me mets dehors. Je sais pas comment je vais me démerder, mais je me mets dehors. Et je te filme ça. Franchement, elle est magnifique. C'est un truc de fou. Le kit déco, il est hyper réussi. Elle est terrible. Donc, comme tu vois, un trier 4 pistons. Enfin, double piston à l'arrière. Elle est vraiment très, 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 très belle. Franchement, il n'y a rien à dire. Regarde-moi ça. Bon, elle est sale. Hein. J'ai pas encore eu le temps de la nettoyer complètement, mais... Elle est vraiment terrible. Il n'y a rien à dire. Magnifique cette RZ300. Donc maintenant, je vais vous la foutre dehors. On va la faire tourner 5 minutes. Et puis, ça sera tout bon. Hein. Donc, moi, tout était monté nickel. J'ai vérifié tous les contrôles de visserie. Vous vérifiez tout. Allez, maintenant, je vais vous la sortir. C'est parti. Voilà les amis, ERZ montée, terminée, elle a fait son premier démarrage. Prochaine vidéo, je vous fais la vidange moteur. Donc la semaine d'après, je vous fais vidange moteur et comment commencer à régler ses suspensions. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Moi, personnellement, c'est une moto que je trouve magnifique. Je l'avais déjà eu, mais sous la marque BTC. Hein, parce que comme je vous l'ai dit, c'est une BTC T18. Mais, sauf que Mini MX l'a reprise. Et à rajouter leurs 2-3 trucs, hein. Il y a quand même les protections de fourche à l'avant qui changent. Celle-ci englobe bien tout le bas de fourche. Il y a la cartouche qui est pas pareille, elle est plus grosse. Il y a le kit déco qui est forcément différent. Sinon, la mousse de guidon, 2-3 conneries, mais ça reste une BTC T18. Donc ce que j'en pense, pour ceux qui me demandent, c'est pas compliqué, c'est une excellente moto. Là, on n'est vraiment pas dans de la pit bike ou de la dirt bike. Je te dis pas que tu as une pure cross, ça serait te mentir. Mais tu as vraiment une moto rapport qualité-prix qui est vraiment très intéressant. Parce que là, tu peux aller faire du terrain avec, tu peux aller faire de l'enduro avec, ça supporte bien. Ils annoncent 27 chevaux. On ira la passer au banc chez Tournoi Racing. Je m'arrangerai avec lui, on va y aller, c'est sûr. Pas tout de suite, mais on va y aller. Ensuite,
Il y aura des vidéos, on va l'équiper, préparation, etc. Pas dans l'immédiat. Là, dans l'immédiat, on va la rouler. Je sais que ça vous manque beaucoup les vidéos sorties dans les bois, etc. Cette année, j'en ai prévu beaucoup. On va sortir plus souvent avec Cédric. On va aller dans les bois, on va aller faire du terrain. Enfin bref, on va sortir. Il y aura celle-là et l'ARM, pour ceux que ça intéresse. Donc, oh, je suis fatigué. Donc, moto terminée. Franchement, c'est une très très bonne moto. Ce que j'en pense, c'est que si tu cherches une moto à un rapport qualité-prix vraiment honnête et que tu n'as pas le budget pour une 100% pure cross, qui te coûtera les yeux de la tête en entretien, n'hésite pas, fonce, tu verras les vidéos, ça marche. Si tu veux déjà voir à quoi ça ressemble, tu peux aller voir la BTC sur ma chaîne. On a fait des balades et pour te donner une indication, Cédric avec la Caillou T4 ne suit pas du tout. Là, tu mets un coup de gaz en deuxième, ça part, ça n'a pas de trou, ça marche. Hein. Forcément, c'est du 4 soupapes. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu. Franchement, les finitions sont nickel. Il n'y a rien à dire, j'aimerais bien te la montrer, mais là, j'ai plus de batterie. Les finitions, il n'y a rien à dire, hein. Franchement, voilà. Oui, évidemment, les fourches sont un peu mous, faut les régler. Le seul truc, c'est comme je te dis, faut pas t'attendre à des fourches et un amortisseur arrière à 1000-1200 balles, hein. Faut pas rêver. Il y a toujours moyen de changer là, le ressort à l'arrière, de changer l'huile devant. Mais franchement, les réglages en compression détente autant devant que derrière. Donc honnêtement, ouais, franchement, c'est une bonne moto. Moi, je suis content. Honnêtement, je suis pressé de rouler avec et de vous faire d'autres vidéos. Ne t'inquiète pas, il y en aura beaucoup plus des vidéos là, c'est prévu. Donc voilà pour moi, je vais te la remontrer un petit coup. Et puis du coup, bah, tu me dis ce que tu en penses en commentaire. N'hésite pas à l'acheter si tu la veux. Mini MX en stock, c'est livré en moins d'une semaine. Et tu as mon code promo FAST100 et FAST54000. Un des deux, pas des deux. Tu prends celui qui t'intéresse le plus, qui est le plus intéressant pour toi. Et puis voilà. Donc n'hésitez pas à lire la notice, je bouge pas. N'hésitez pas à lire la notice, hein, les 18 premières pages sont en français, ils vous expliquent tout. Comment régler tes amortisseurs, comment régler ta chaîne. Enfin, franchement, ils expliquent tout, tout, tout. Là, moi, je l'ai monté à la démarrée direct. Le carbu, il n'est même pas à toucher, il n'y a rien qui a touché, elle est prête à rouler. Le rodage, moi, je fais comme d'habitude, je fais 2 fois 20 minutes, c'est-à-dire que je roule une première fois 20 minutes tranquille, normal, sans taper dedans à fond de rapport. Ensuite, je laisse refroidir, je repars 20 minutes et terminé. Les moteurs sont pré-rodés, franchement, tu pourrais même partir à pleine balle direct que ça ferait rien. Mais bon, je te conseille quand même 2 fois 20 minutes. L'huile moteur, 10-40 ou 10-50, c'est préconisé là-dedans. Moi, je te conseille 10-40, 100% synthèse si tu peux. Sinon, bah, Ipone, ce que tu veux, ça, on s'en fout, Katana, du moment que tu mets de la bonne huile, c'est bon. Vidange, c'est pareil, là-dedans, tout est préconisé. T'as tous les fiches d'entretien, la vidange, etc. Moi, perso, c'est toutes les 6 heures. Toutes les 10 heures max, pas plus. Comme ça, tu es sûr d'avoir toujours une bonne huile dans le moteur. Donc voilà, voilà, c'est tout ce que je voulais te dire. Donc prends bien le temps de lire la notice, tout expliqué dedans. Et puis bah écoute, je te dis bien ciao, je te balance quelques photos. Et puis voilà. Regarde, écoute, je te laisse regarder pour toi-même. Franchement, c'est une vraie bonne moto. Honnêtement, ils ont fait une belle moto. C'est une T18, mais avec leur modification à eux, tu vois. Ça englobe bien toute la fourche, c'est vraiment top. Donc voilà, écoute, je te dis à bientôt. Et puis bah à vendredi prochain pour les premières vidéos, vidange moteur, etc. Allez, ciao, bye.